J'ai accepté de participer à cette convention parce que c'est une aventure humaine incroyable, quelque chose qui arrive une fois dans sa vie. Et surtout, c'est un sujet intime et collectif qui me concerne, qui concerne tout à chacun, et je voulais apporter ma pierre à l'édifice. On a eu les deux premières sessions, c'était des sessions d'appropriation de ce qui se passait, des lois en vigueur. Et là, nous sommes vraiment dans le vif du sujet, à savoir, alors pas encore comment on se positionne, mais du coup, ça alimente notre positionnement, savoir ce qu'on en pense, arriver à donner notre avis sur ce qu'on pourrait apporter au manquement d'aujourd'hui, et puis surtout, échanger entre nous sur ce sujet qui est très très délicat. J'ai été très marquée et très très intéressée par les intervenants d'aujourd'hui, qui étaient les personnes qui ne représentent pas les cultes religieux, hein, dont les philosophes. Et ils nous ont vraiment apporté un éclairage à nouveau sur la liberté. Et la liberté vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire la liberté de choix du patient. Et comment en fait arriver à, au lieu de dire une mort digne, une mort libre. Enfin, c'est ce que j'ai retenu ce matin et j'ai été très d'accord avec ce positionnement. Et justement, de faire un différentiel dans l'aide active à mourir entre ce qu'on appelle le suicide assisté, qui est vraiment fait par la personne elle-même, et l'euthanasie, qui est fait par une tierce personne, et où là, effectivement, il va y avoir un besoin de garde-fou et de contrôle et de gestion, dans le cas où la loi Claeys-Leonetti évoluerait. Je me sens bien. J'ai malgré tout eu une petite frustration sur le fait que ça a été trop vite. On est arrivé sur le vif du sujet hier après-midi et j'aurais aimé avoir plus de temps pour travailler sur l'aide active à mourir, même si je sais que dans les prochaines sessions, ça va revenir, qu'on va alimenter ce sujet, qu'on va l'étoffer, qu'on va le détailler, qu'on va se positionner, etc. Ce premier atelier, pour moi, n'était pas assez long. Il aurait fallu peut-être agrandir la journée. Pour les prochaines sessions, je suis pressée de retrouver les citoyens pour qu'on avance encore, qu'on précise notre copie, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'on commence vraiment à voir les lignes directrices principales de nos travaux et d'arriver à un consensus en fait. Intense, enrichissant, frustration.